On savait que c'était très important ce match à Virton parce qu'on sortait d'un match à domicile devant nos fans contre Moucron très compliqué avec une mauvaise performance et une défaite. Donc c'est vrai que ce match à Virton était très important pour nous. De voorzet is goed en de goal opnieuw voor Waasland Beveren en het is opnieuw Hogas. Hier komt Hogas en die legt hem binnen. En er is 0-3 Waasland Beveren, 0-3. Drie keer Hogas. C'est la première fois que je mettais trois buts dans le même match. Donc c'est sûr que ça fait plaisir, mais comme je l'ai déjà dit, j'étais surtout content parce que ça nous a permis de bien rentrer dans le match et d'obtenir les trois points à Virton, ce qui était le plus important. Devenir joueur de foot professionnel, c'est un rêve d'enfant. Je pense que ça touche beaucoup de jeunes. Je pense que c'est le plus beau des métiers lorsqu'on aime ce sport. Je jouais en 4e division en France, à Belfort. Et j'ai réussi à faire une très bonne saison et derrière j'ai senti qu'il y avait l'intérêt de plusieurs clubs, notamment en France, en Ligue 1 et en Ligue 2. Et ensuite j'ai reçu des propositions de contrat et là j'ai réalisé vraiment que j'allais devenir ce que j'avais toujours voulu être. C'est quelque chose de mémorable dont on se souvient, ça part pas de la tête parce que la première fois c'est toujours un peu différent. Dans la vie, je suis quelqu'un de plutôt calme, mais une fois que j'enfile la tenue et puis que je monte sur le terrain, je deviens un peu plus agressif parce que je n'aime pas perdre, comme beaucoup de sportifs. Hein. On n'aime pas perdre et on aime être compétitif et gagner tous les matchs. Hogas over de muur en het is de gelijkmaker. En het is de nieuwe man die van Cercle Brugge is overgekomen, Kevin Hogas. Ces dernières années, j'ai réussi à marquer quelques buts sur coup franc et je pense que c'est une partie importante du football aujourd'hui, que ce soit les coups francs excentrés pour centrer ou alors les coups francs directs pour tenter de marquer. Ça peut débloquer certaines situations et certains matchs. Mooi gekruld over de muur in de korte hoek. Lorsque le pied touche le ballon, on sent souvent si on a bien frappé le ballon ou non. Alors on ne sait pas si elle va terminer à l'intérieur du but ou à l'extérieur, mais on sent quand même si elle va prendre une bonne trajectoire ou non. On arrive à sentir ça quand on touche le ballon. Ouais, c'est pas simple, ouais, parce que le foot évolue beaucoup et chaque équipe a aussi des analystes vidéo, des personnes comme ça qui travaillent bien et qui donnent beaucoup d'informations sur les joueurs adverses, sur qui on va affronter, comment ils jouent, ce qu'ils aiment faire. Et du coup, chacun essaye de contrer ça. Et donc, les autres équipes s'adaptent, mais il faut bien travailler chaque semaine à l'entraînement, prendre un maximum de confiance et être le plus performant possible chaque week-end. Mon objectif personnel, ça rejoint celui du club où j'ai signé cet été et ça va dans le même sens. Mon seul objectif, c'est de performer, d'être bon et d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs en fin de saison. C'est mon seul objectif.